7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Masque. Vous avez compris, coronavirus. Nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Coronavirus. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Nous allons en parler avec les enfants. Plus particulièrement, aujourd'hui, je suis dans une commune, la commune de Kitambo, pour sensibiliser nos jeunes afin que nous puissions irradier cette pandémie qui fait souffrir et qui cause la perte de beaucoup d'humains dans le monde entier. Coronavirus. C'est un virus qui est responsable des infections digestives et respiratoires, plus particulièrement trouvées chez les mammifères dans l'homme. A tout de suite. Voilà, il y a des enfants ici. Waouh! Tu dois être loin de moi, n'est-ce pas? Oui. Combien de mètres? 1 mètre. Alors, comment t'appelles-tu, toi? Erika Joyce. Tu as quel âge, Erika Joyce? 9 ans. Ok, parle-moi du corona, c'est quoi en fait? Le corona, c'est un virus. Qui fait quoi? Qui tue les gens. Qui tue les gens? Oui. Et quels sont les symptômes de cette maladie? C'est quand tu tousses et que tu n'arrives pas à respirer. Ah, il n'y a que ça encore. C'est quand tu t'approches aussi des gens. La diarrhée. Dis-moi, quels sont les symptômes, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas contaminer les gens? Qu'est-ce qu'il faut? C'est tenir loin des gens, rester chez vous, laver les mains. Se laver les mains. Avec du savon. Et de l'eau. Et qu'on encore, n'utilise pas encore pour les mains. Des détergents. Les chèvres, n'est-ce pas? Oui. Et donc tous comment? Montre-moi. Comme ça. Alors regarde les enfants qui ne veulent pas écouter. Ok, d'accord? Qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas rester à la maison parce qu'on dit qu'il faut rester confiné. Tu sais ce que ça veut dire confiné? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rester chez vous n'est pas sortir. Qu'est-ce que tu demandes alors aux enfants qui ne veulent pas se confiner? De rester chez eux parce qu'il y a le corona qui circule. Dis-leur comme ça. Rester chez vous parce qu'il y a le corona qui circule. Sinon vous allez attraper le coronavirus. Qui d'autre? Bonjour mon ami. Bonjour. Alors, comment t'appelles-tu toi? Eden Gift. Eden Gift. Tu sais ce qui se passe dans le monde? Oui. Pourquoi j'ai le mal? Parce qu'il y a le coronavirus. Le coronavirus? Pourquoi j'ai des gants alors? Pour pas
pas attraper le corona. Hein? Alors, ça se caractérise comment cette maladie? Tu connais le coronavirus? Comment ça se caractérise? Ça se caractérise par la toux et éternuer et aussi problème de respiration. Problème de respiration? Encore. Et aussi avec les mains sales. Et aussi. Il faut toujours se laver les mains, n'est-ce pas? Oui. Alors, dis-moi, à part se laver les mains, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut tousser comme ça. Comment? Rentre-nous. Comme ça. Et il faut pas être trop près des gens. À distance de combien? Une distance. Oh, une distance de combien? D'un mètre. Mètre. Alors, regarde là, dis aux enfants qui ne sont pas attentifs, ceux qui ne courent pas, ceux qui veulent jouer toujours. Il faut pas sortir parce qu'il y a le coronavirus. Et qu'est-ce que ça fait le coronavirus? Ça tue les gens. Ah, ça tue les gens. Ouh là là, ça tue les gens, hein. C'est triste de voir les enfants mourir. Alors, qui d'autre? Qui peut parler du corona encore? Qui d'autre? Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bavon Sabin. Sabin. Pourquoi moi j'ai le masque d'abord? Donc si tu connais le coronavirus, ça fait quoi le coronavirus? Ça fait quoi les enfants? Ah, ça tue les enfants, hein? Et les enfants, ils font quoi? Quand ils ont le coronavirus, ils font quoi? Ils jouent pas. Ils jouent plus. Quoi encore? Ils ne regardent plus la télé. Ils ne regardent plus la télé parce qu'ils sont malades, n'est-ce pas? Non, mais c'est triste. Alors dis-moi, approche. Stella, comment tu t'appelles toi? Stella Michel. Écoute, tu dois être loin de moi, hein? Allez, dis-moi, comment ça se passe cette corona? Tu as mal au champ. Comment ça se passe au corona? Ça fait mal? Et les gens font quoi? Ils n'attrapent pas les coronavirus. Ils font quoi? Ils toussent? Ils toussent comment? Mais bien, bravo! On fait un grand bravo pour elle! Waouh! Quoi encore? Il faut être loin de moi, n'est-ce pas? Très bien, les amis. Vous avez compris? Viens. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Gabriel. Alors dis-nous, tu vas être loin de moi, tu sais pourquoi? Pourquoi? Après Gabriel, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi tu veux être loin de moi? Parce que le coronavirus. Il y a le coronavirus. Parce que c'est le coronavirus. C'est vrai, hein? Alors qu'est-ce qu'on a demandé aux enfants? De faire quoi? De rester à la maison. De rester à la maison et de suivre quoi les consignes, hein? Qu'est-ce qu'il faut alors pour ne pas attraper ça? Il y avait les mains. Comment? Montre-moi. Avec quoi? De l'eau. De l'eau seulement? Et quoi encore? Le savon. Ah, et le savon. Et quoi encore? Tousser comment? Montre-moi comment. Ah, essaie un peu de tousser là dans le monde. Ici, regarde. Bien. Et de rester loin, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Vous avez vu, chers téléspectateurs, que ça va bien. Les parents sont à féliciter. Je continue ma route. Bonjour, mon ami. Bonjour. Comment t'appelles? Junior. Junior, tu dois rester loin de moi. Tu le sais pourquoi? Parce qu'il y en a le coronavirus. Ah,
il y a le coronavirus. Qu'est-ce qui fait le coronavirus? C'est un bébé. Il est gentil. Non. Il est méchant. Parce qu'il contamine les gens. Il contamine les gens. Il contamine comment? Il rentre sous les gens. Est-ce qu'il faut rester dehors, jouer avec les amis? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans la maison. Manger dans la table avant de manger, laver les mains. Avec du savon et de l'eau. Le corona est très méchant. Le corona tue. Il tue les enfants et les parents. Vous avez vu, je termine. J'ai terminé avec eux. Je vais encore dans une autre parcelle pour continuer cette sensibilisation. À tout de suite. Ça, c'est quoi? Le savon. Tu vas frotter pendant combien de secondes? On lave les mains. Surtout, faut bien laver. On lave seulement une fois par jour? On lave. Est-ce qu'on lave seulement une fois par jour? Non. Combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on évite? On met les mains vers. Les mains ne peuvent pas être en contact avec. Avec les autres mains. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant, regarde les enfants qui sont têtus, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui ne veulent pas suivre les consignes. Qu'est-ce que tu leur demandes? Regarde bien, dis-leur. Parce que c'est dangereux, c'est pandémie qui tue les enfants dans le monde. N'oubliez pas de laver les mains. Soyez vigilants. Avoir une distance de 1 mètre avec une personne. N'oubliez pas de bien se laver les mains. Après beaucoup de choses. Donc, pour éviter la propagation, pour éviter les morts dans notre pays. N'oubliez pas de tousser sur votre coude. Dans votre coude. Alors, c'est bien. Pour qu'ils puissent assimiler la leçon, peux-tu conjuguer le verbe tousser dans le coude au présent? Présent de l'indicatif. Je tousse dans mon coude. Tu tousses dans ton coude. Il tousse dans son coude. Elle tousse dans son coude. Nous toussons dans le coude. Vous toussez dans le coude. Il tousse dans le coude. Elle tousse dans le coude. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, mes belles, bonjour. Vous promenez comme ça? Vous ne savez pas combien de mètres vous devez. À combien de mètres? À combien de mètres? 1 mètre. Pourquoi 1 mètre? Parce que il y a le coronavirus. Parce qu'il y a quoi?
coronavirus. C'est quoi le coronavirus? C'est une maladie contagieuse et invisible. Si vous prenez aux malades en côté, faut que ça la nine. Faut se protéger. Se protéger comment? Un mètre. Vous avez un mètre bien? Oui. Si quoi que ça la nine? On peut pas justement rester à la maison. Reste à la maison. Alors, t'as la liboso qu'on a le bana bana. Est-ce que c'est bien? Vous avez compris. Tu as un mot à dire aux enfants qui te regardent et qui ne veulent pas rester à la maison, qui ne veulent pas être confinés à la maison? J'ai leur dit qu'il faut rester à la maison parce qu'il y a le coronavirus. Le coronavirus, il fait quoi? Ça tue. Ça tue. Très bien. Comment tu coudes? Tu tous dans le coude? Comme ça? Essaye de tousser. Très bien. Voilà, j'ai donné à mes deux amis des masques pour que ça se protéger, parce que c'est important pour le moment de se protéger contre ce coronavirus. Et comme ça, elles diront aussi à leurs amis de se protéger. Voilà, bye bye. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucous à tous les petits amis, à tous les parents. C'était les enfants universels avec le coronavirus pour sensibiliser les jeunes et les enfants afin d'éradiquer cette pandémie. N'oubliez pas le consigne. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour avec un savon. Et n'oubliez pas le gel aussi, appliqué plusieurs fois par jour. N'oubliez pas d'être à 1 mètre. Respectez la distanciation, mettez-vous à 1 mètre, salué juste par le coude ou bien par juste un signe de tête. Et surtout, tout ça dans le tout ça dans le et n'oubliez pas, et restez chez bye bye, chacun chez soi, chacun va chez soi. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.